Rome, Cesare t'a fait l'honneur de son carrosse? Tu es pitoyable, Lucrezia. De quoi a-t-il parlé? De ses projets pour Naples? Ça t'a plu? J'ai déjà tout oublié. Je vais te rafraîchir la mémoire. Ah! Ça te remettra les idées en place. Referme et donne-moi la clé. Et salut à tous et à tous les amis, c'est Empereur, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite des aventures de Ezio Auditore d'Anne Florence dans la Renaissance italienne. Et les amis, j'ai un peu avancé hors caméra, alors en étant très honnête, je me suis fait caler 5 fois. Et vu que je tenais à avoir la synchronisation totale, je me suis donc permis de continuer hors caméra afin d'essayer d'obtenir cette synchronisation totale. Alors on va essayer de la tenir, de la faire ensemble les amis. Alors ça me paraît être un passage un peu plus simple hein, étant donné qu'il y a que de la grimpette et moins d'ennemis. Et on va essayer de libérer Catalina Forza de cette prison. Alors ici il n'y a personne. Par contre, j'ai pas la même sur les toits. Alors, faut pas courir hein, quand c'est jaune comme ça. Voilà. On peut tirer, hein, les amis, vous inquiétez pas, j'ai déjà fait l'expérience. Alors, c'est ouf. Oh merde. Il y en a encore un dans la cour. Faut que je pense à fouiller les cadavres pour récupérer des balles. Voilà, parfait. Et lui, on va pas faire... Voilà, midi à 14h. Du coup, ça fait qu'on a à peu près balles limitées, du coup, hein. Ah putain, non, vous avez vu? Alors, je vais quand même finir la mission, les amis, parce que pas le choix. Mais là, je veux pas avoir la synchronisation totale de cette mission-là. Ça m'énerve. Alors, est-ce qu'il y en avait un dans le couloir, peut-être, alors? Parce qu'il me semblait quand même que c'était bon. Ah, il y en a peut-être un qui descendait de là-haut, en fait. Oh, c'est chiant, si c'est ça, hein. Bon, bah, on continue. Non, c'est celui qui avait en bas. Bon, bah, je suis dégoûté, les amis. Je la referai, hein. Du coup, mais moi qui m'ai cassé les couilles à la refaire 5 fois pour avoir la synchronisation totale, me voilà nouveau baisé. Bon ben, bah, c'est le jeu, hein. Oh, mon dos. S'il vous plaît, versez-moi cette cruche. Oh, putain, j'allais avoir la synchronisation totale. Qui va me soulager, princesse? Vous devriez essayer de vous rapprocher un peu, précipiter ça. Non, toi. Ezio, que fais-tu ici? Vous l'avez vu que je la perds à 10 secondes, à peine. Mon évasion provoquera la colère de Cesare. Heureusement pour nous, il s'est absenté. Existe-t-il une autre clé?
Le garde a donné la sienne à Lucrezia. J'ai bien peur que non. Et où est-elle? Ses appartements sont tout en haut du château. Très bien, j'y vais. Surtout, attends-moi ici. Vraiment? Et où veux-tu que j'aille? Donc tu as la clé de la cellule de Catalina auprès de Lucrezia Borgia. Ne parlez pas plus de 10 carrés de santé. Ça va être compliqué étant donné que j'en ai à peine 5. J'ai les boules, hein, les amis. Hein. Vous pouvez pas savoir à quel point j'ai les boules. Hein. Il restait 3 gardes, littéralement. Bon, je la recommencerai, les amis. Hein. Cette fois-ci, je pense que je saurai comment gérer. Je t'aime tant que... Je voudrais le crier jusqu'aux cieux. Non. Contente-toi de chuchoter, d'accord? Si Cesare l'apprend, il est capable de tout. Mais tu es... Qu'est-ce donc? Je... Il est tard. Je dois répéter. Adieu, mon amour. J'ai entendu toute la conversation, Mia Signora. Je pourrais en témoigner. Bien. Avertis Cesare. Nous verrons comment il réagit quand les rôles sont inversés. Oui, Signora. Vas-y, continue. Je ne voulais pas t'interrompre. Ezio Auditore da Firenze. Quel plaisir de rencontrer un personnage aussi illustre. Dommage que Cesare ne soit plus là. Tout cela leur est beaucoup amusé. Je ne suis pas là pour toi, Lucrezia. Libère Caterina et je m'en irai. Impossible. Alors tu ne me laisses pas le choix. Garde! Mais bien sûr. Pas possible! Il se... Tu sais, les armes, c'est fait pour se battre. Retourne dans les jupons de ta mère! Je le vois. Qu'est-ce que tu attends? Si tu veux, je te laisse choisir ta mort. Je ne peux pas te laisser seul ici. Tu vas venir avec moi. Mais attention, si tu cries, je n'hésiterai pas à t'arracher la langue. Alors, tu es venu sauver la jolie princesse? Ouais, pas mal. Finissons-en. Stai attento, je suis là. Je te fais peur? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce qu'il faut? Alors, ne sois pas timide. Bon, celle-là n'a pas été trop conne, elle s'est planquée. Elle aurait pu se barrer bien avant, hein. Bon. Ah, attends. Ne sois pas timide. Tu as peur, hein? Allez, viens me chercher. Grosse erreur. Allez, viens, Corleone. Bon, ça fait 3 carrés de PV, hein, déjà de perdu. Ah, tu peux aller nulle part, en fait. Tu dois te prendre pour un héros. Tu sèmes le chaos en tuant tous ceux que tu croises. Mais cette image. Sais-tu ce qu'il est advenu des pâtés une fois ta vengeance assouvie? Ton cher ami Lorenzo les a dépouillés de tous leurs biens et les a jetés en prison. Même ceux qui n'étaient pour rien dans la conjuration. On a effacé leur nom sur leur tombe et interdit aux femmes de se marier. Ils ont disparu des livres d'histoire. Oubliés, anéantis. Ouais, ta gueule. Tu n'as aucune chance. Cours. Je te laisse un peu d'avance. Ça sert à rien que tu montes là-haut. Le jeu...
Est-ce qu'elles se rendent compte, quand même, que... Ferme les yeux sur les conséquences de tes actes. Tu bouleverses les équilibres, mais tu ne vas jamais jusqu'au bout des choses. Cesare triomphera et fera régner la paix sur toute l'Italie. Il tue pour le bien de tous, contrairement à toi. Là, par contre, si tu pars par là, ça me gêne plus. Parce que par là, j'ai l'impression que t'as peut-être plus de liberté encore. Les ignorants sont des proies faciles. Oh, tu ne comprendras jamais, Hypocrita. Ah, puis c'est pas par là. Je pense que c'est par là. Où tu vas? C'est où je vais, moi, en fait? C'est surtout ça, la question. J'ai la tué apparemment, j'ai entendu la lame secrète et j'ai eu peur. Bon allez, on est arrivé. Salute Lucrezia. Tu m'as manqué. Vai a farti fottere, Troia. Fidèle à elle-même. Amène-la, je sais où est la clé. Oh, pitoyable. On t'a assez entendu. Tu peux marcher? Non. Alors nous passerons par devant. Cette violence. Échappez-vous du château avec Katarina et direz-vous vers les écuries. Ne vous faites pas repérer. Oh, chapitre 2. J'avais le choix. Bon, bon, on oublie. Je commence à m'ennuyer. Faut l'arrêter, tout de suite. Et tout ce que tu sais faire. Pourquoi m'aides-tu, Ezio? Orly est tombé, je ne te sers plus à rien. Une famille. Cette famille n'est pas la tienne. Cette nuit, à la villa, je devais solliciter ton appui pour protéger Forley. Est-ce que tu comprends, Ezio? Je refais, hein, les amis, hors caméra, l'émission. C'est juste que là, en fait, j'étais coincé. Tant que je faisais pas cette mission-là, en fait, j'étais coincé dans le jeu tout court. Arrêtez-le! Pas possible! Ici, on... Je vais t'avoir! Tu n'as rien à faire! Allez, viens! Attends. Ta fin est proche! Sei mio, canaria! Et la politica. Bien sûr, je comprends. Tu n'as pas de justifié. Oh, j'ai pas vu le chemin là, ouais. Ouais. Viens, Ezio, par ici.
Cette mission me paraît déjà un peu plus compliquée que celle de s'infiltrer quand t'es tout seul, quand t'es à plusieurs. N'y pense même pas. Filio de putana. Je ne t'y reprenne jamais. C'était rigolo. Moi, je me demande quand même ce qui se passe si on tue tous les gardes quand on fait l'infiltration. Est-ce qu'on a le droit à autant de gardes comme ça dans ce dans cette partie-là? On dirait que la porte s'ouvre de là-bas. Oh, elle a repopé, enfin, oui. Qu'est-ce que tu attends? Allez, viens! J'adore cette mission, par contre, les amis, hein. Je vous le dis tout de suite. Je trouve la mission très classe, en fait. Ça nous montre un peu tous les aspects. Ah putain, si je veux. Voilà. Je suis obligé de l'emmener Katerina avec moi. Bon, c'est pas gênant, mais bon. Mais je la referai, les amis, celle-là. J'essaierai de tenter la synchronisation totale, il y a moyen. Hein. Bon, par contre, il fait des drôles de bruits, Ezio, hein. Et on rappelle qu'il nous restera encore deux choses à faire derrière. Retrouver la pomme d'Éden, hein, les amis, évidemment, la classique. Et la troisième chose, c'était bah, tuer César et... Franchis le pont. Escortez Canada à cheval pendant qu'elle s'enfuit du château, réussissez une série de 5 assassinats minimum en tuant des gardes. Ouais, oh. Bah dans le cul. Je peux pas. Je vais me faire désynchroniser. Rends-toi sur l'île Tibérine. Tu y trouveras Machiavelli. Il doit m'y attendre. Que vas-tu faire? Quelqu'un doit rester ici pour occuper les gardes. Reviens sain et sauf, ou je ne me le pardonnerai jamais. Va! Je suis ici. Toi, tu n'as jamais utilisé ton arme. Tu me fais perdre mon temps. Ah, on va tenter d'avoir le truc. Ah, les gardes agiles, par contre, ça va être compliqué. Ah putain, ouais, donc on recommence. Faites pour attaquer, 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 voilà. Ouais.
Alors, un dernier. Voilà, parfait. J'ai la synchronisation totale. Normalement. Alors, ne sois pas timide. Tu sais, les armes, c'est fait pour se battre. Stai attento, je suis là. Non, il veut pas m'attaquer, lui. Allez, viens. Mais enfin, qu'est-ce que tu attends? Allez. Qu'est-ce qu'il faut? Si tu veux, je te laisse choisir ta mort. Grosse erreur. C'était quoi? Que tout le monde retourne au château, vite! Tu as peur, hein? Allez, viens, Corleone! Allez, salut les frères! On monte! Quoi? C'est quoi ce trophée? Excusez-moi pour le téléphone, les amis. Ah, mais... Ah, putain. Ah, quand Eddie fait ça, il est très chiant. Bon. C'est un immense honneur de vous recevoir dans ma boutique. Non. Les clients exigeants ne viennent jamais c'est ici trouvé, par hasard. Là-bas. Je le vois. C'est bien de me voir, faut me rattraper aussi. Ouais, ils m'ont balancé les cailloux, les bâtards. Ah, les gardes agiles, on peut pas. Ils nous rattrapent, hein, c'est obligatoire. Oh putain, il est encore derrière moi. Ah putain, et c'est... quand il faut te rendre anonyme, c'est chiant. Hein. Tu peux pas grimper nulle part. Les gardes agiles sont plus rapides que toi, c'est chiant. Putain, ils sont combien à me poursuivre là? Calmez-vous les gars. Merde, putain, ouf. C'est pas là que je voulais grimper. Non, tant que le garde agile est là, c'est mort. Bon, on va les tuer. On va finir cet épisode-là, je pense, sur du fight. Qu'est-ce que tu attends? L'armée recrute des bambini, maintenant? Je suis ici. Bon. Bon, c'est dommage, hein. J'aurais pu avoir presque une synchronisation totale, mais bon, c'est pas grave, c'est pas gênant. On en était quand même pas très loin, on va se prendre un remède. Parce qu'on l'a mérité, et je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là, les amis. En vrai de vrai, il reste 3 minutes, je vois pas trop ce que je peux faire en 3 minutes d'épisode.
Alors, il y a l'émission des courtisanes encore à faire. Est-ce qu'il y a un tombeau de Romulus qui est apparu? Non, il n'y a pas de tombeau de Romulus qui est apparu. Je pense, les amis, y faire du hors-caméra, là. Ben, j'ai bien avancé, enfin, j'ai réussi à me débloquer la mission, là, parce qu'elle était un peu compliquée. Donc, je pense que je m'amusais à faire quelques trucs Borgia pour finir tranquillement, je pense. Et ce sera pas mal. Bon. On s'arrête pour cet épisode-là, les amis. Moi, je vais pas mal faire de trucs hors caméra, débloquer encore des trucs, déverrouiller des choses. On se retrouvera dès le prochain épisode, les amis. C'était Empereur. Je vous dis la suite au prochain numéro, les gens. Salut.